Yo les amis, alors comme je vous avais promis il y a quelques jours de ça, un petit récap sur les news 2K20 qui sont sorties. Donc ces derniers temps ça a été un petit peu le feu sur les réseaux sociaux parce qu'il y a plusieurs choses qui sont sorties. Déjà, le menu de NBA 2K20 qui avait été aperçu lors d'un NBA 2K TV que nous pouvons retrouver ici. Alors certaines personnes parlent éventuellement de mode PC, d'autres croient dur comme fer que c'est le vrai menu du jeu et que donc ce qui a été filmé par un développeur. Donc comme on peut voir ici sur le tableau des stats, donc in-game, hein, c'est des pseudos de développeurs. Donc on peut voir que le parc ressemble énormément, mais par contre, nouvelles intros qui sont plus entre guillemets des intros d'équipe, on va dire. En tout cas, c'est une animation que moi perso je n'ai jamais vue dans NBA 2K19. Dans le décor, des écrans télé avec marqué 2K22 partout. Le parc ressemble énormément quand même au parc de NBA 2K19. Là, on peut voir donc que c'est l'événement du Dunkfest. On voit ici un petit peu rapidement le rec. Donc, je sais pas pour vous ce que vous en pensez. Moi, qu'il n'y ait pas beaucoup de changements par rapport au 19, je m'en fous un petit peu du moment que le gameplay est amélioré, ça me va très très bien. Je vous prie par contre de m'excuser pour la qualité de la vidéo. Malheureusement, je n'ai pas de boîtier de capture, donc c'est fait un petit peu avec les moyens du bord. Et dernière petite nouvelle, la démo, donc le fameux prélude comme chaque année, sera disponible le 21 août, comme par hasard le jour de ma fête. Voilà, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous. A plus, ciao ciao. Bruh.